Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du Bar de l'Ours. L'Ours c'est moi et le bar, il est derrière nous. Aujourd'hui, vidéo de dégustation avec la bouteille ici présente. C'est une bouteille de Penny Blue. Penny Blue, le VSOP. C'est un rhum de l'île Maurice qui est fait à base de mélasse. Il est à 40 degrés d'alcool. C'est un rhum qui a été vieilli dans des fûts de cognac à plus de 75% et sinon des fûts de whisky et de bourbon. Et c'est un rhum qui a un minimum de 4 ans de vieillissement. C'est un rhum qui a été commercialisé à partir de mai 2016 et on sait qu'il n'y a aucun ajout de colorant, de sucre ou d'autres liqueurs que ce soit dedans. Donc c'est un produit plutôt naturel. Alors, il sort de la distillerie Médine, qui est la plus ancienne de l'île, qui a été créée en 1962. Et c'est notamment la distillerie qui fait aussi le Pink Pigeon, pour ceux qui connaissent les bouteilles noires, un petit peu allongées, qui ressemblent un petit peu, en termes de hauteur, à cette bouteille que nous avons dans les mains. Donc ce rhum, il a vu le jour grâce à Berrybois Sandrud, qui est la plus ancienne boutique du Royaume-Uni de vente de vin et de spiritueux, qui existe depuis 1698, donc c'est pour dire. Aujourd'hui, ils sont situés aussi à Dublin, ils ont aussi une boutique à Hong Kong, et c'est devenu en fait des négociants. Ils ont un stock énorme, ils ont aussi leur propre marque de whisky et ils embouteillent notamment des choses comme ce Penny Blue VSOP qu'ils ont fait avec la distillerie de Médine en partenariat avec eux. Alors la marque Penny Blue que vous voyez sur la bouteille, en fait ça fait référence au petit timbre postal ici qui est en fait le timbre postal qui avait été créé en 1847 sur l'île Maurice et qui aujourd'hui est le timbre considéré comme le plus rare et le plus cher forcément au monde puisqu'il avait été sorti en 500 exemplaires. Voici un petit peu à quoi il ressemble. Il était sorti donc en 500 exemplaires et aujourd'hui on doit en trouver, alors je suis pas spécialiste du timbre hein, mais on doit pouvoir en trouver peut-être seulement une vingtaine ou quelque chose comme ça, si ce n'est même une dizaine. Donc c'est un timbre qui doit valoir plus d'un million d'euros. Donc voilà pour la petite histoire de Penny Blue, ce que ça veut dire. Alors j'ai dit que c'était un rhum qui venait de l'île Maurice. L'île Maurice c'est une toute petite île qui fait un peu plus de 1800 km² et qui comprend plus d'un million d'habitants. Pour vous donner un exemple, l'Islande est 8 fois plus grande alors que l'Islande c'est une petite île aussi. C'est une île qui est située à l'est de l'île de la Réunion et logiquement à l'est de Madagascar, donc dans l'océan Indien. La bouteille est plutôt sympa aussi je trouve. L'étiquette qui ressemble un petit peu à un timbre poste comme ça sur les côtés. Voilà, c'est un type de bouteille qui ressemble à une bouteille de vin, un petit peu une bouteille d'Armagnac, voire de cognac. Voilà, c'est une bouteille qui est un petit peu sous les formes de bouteilles de vin. C'est très simple, mais je trouve que c'est efficace. La couleur est très jolie. C'est vraiment un bronze. Un bronze très 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 profond. Qui fait un petit peu terre battue. Un petit peu comme mon t-shirt en fait. J'ai dû faire exprès de le mettre, je ne sais pas. Donc voilà, presque un petit peu terre battue, un tout petit peu sombre, assez profond, moi j'aime beaucoup. Alors le nez il est tout de suite très fruité, c'est caractéristique de l'île Maurice que moi j'adore, tout de suite énormément. C'est légèrement, légèrement épicé, et en même temps, on a un espèce de côté qui nous rappellerait presque un rhum agricole. Cet aspect un tout petit peu sec sur la canne à sucre. Il s'exprime vraiment très très bien. Alors faut laisser un petit peu de temps parce que sinon il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent. Faut le laisser dans le verre. Sinon en termes de nez on le sent pas tout de suite. Là il respire, là ça fait 5-6 minutes qu'il est dans le verre, même un peu plus. Là il commence à vraiment pour respirer, à donner tout ce qu'il a. Il y a des fruits à coque, c'est sûr. Ça sent un tout petit peu la noix, voire l'amande. C'est presque un petit peu torréfié, un petit peu cramé, comme ça, un petit peu presque caramélisé. Et on a vraiment cet aspect fruité que moi j'adore, qui est vraiment présent dans ce produit. Ça fait effectivement un petit peu grillé, comme ça, voire même fumé.
plus il s'exprime et plus on a une petite pointe d'épices douces qui est présente et c'est légèrement vanillé. Donc moi, l'alliance fruits très fruité, un peu costaud, mais fruits exotiques comme ça, un tout petit peu vanillé, légèrement sec, assez chaud, c'est des choses que j'aime beaucoup. Donc en termes de nez, il est très agréable. Donc il a un très joli nez, c'est légèrement un tout petit peu épicé comme ça même, ça fait un petit peu fumé, voire grillé. Il y a vraiment cet aspect vraiment fruit exotique que j'aime vraiment beaucoup. C'est un très joli nez. Effectivement, un petit peu fumé, presque un tout petit peu chaud comme ça. C'est une chose que j'apprécie. Alors la bouche, elle est plutôt légère, assez ronde, mais elle est spécifique parce qu'en fait elle a un aspect un tout petit peu sec au début, un petit peu comme un rhum agricole en fait. C'est assez sympa. On a vraiment un aspect fruité sur les fruits, c'est sûr, c'est présent. Et on a cet aspect effectivement fruit à coque, légèrement grillé, peut-être un peu toasté, il y en a qui diraient. Légèrement fumé presque. Je trouve ça vraiment agréable parce qu'effectivement on a une espèce quand même, on a quand même un caractère. On a une présence dedans, on a une petite force qui est là. Malgré la légèreté et la facilité plutôt de le boire, il y a quand même une petite présence qui s'installe un petit peu comme ça, qui est assez costaud, qui fait penser à un rhum agricole, mais sans avoir ce profil trop sec non plus, trop râpeux même qu'on peut avoir. Et on a un côté noisette que je viens de sentir, tiens. Il y a un côté noisette, c'est ça les fruits à coque, ça sentait la noix, mais là c'est plus sur la noisette dans la bouche. Donc on a effectivement légèrement sec comme ça, mais on a quand même cet aspect assez un petit peu rond, chaleureux, je l'ai déjà dit, et sur les fruits. On a vraiment cet aspect fruité qui me fait penser, moi tout de suite, j'en parle souvent, mais au New Grove, que j'aime bien. Il y a vraiment cet aspect-là qui est là, qui est dedans. Et en même temps, c'est quand même relativement léger. C'est pas trop lourd. C'est pas très gras. Ça reste pas trop longtemps pour l'instant en bouche. On a un petit côté épice. Un petit côté épice boisé. Effectivement, plus vers la fin de bouche. On a quand même cette petite longueur. On a cette rondeur légèrement vanillée. Alors on le sentait presque plus au nez. En bouche, il y a beaucoup moins cet aspect vanille. Il y a l'aspect un petit peu noisette et ça fait presque un petit peu pâte de coin. Confiture presque un petit peu fruits cuits. Des fruits cuits, par contre des fruits cuits exotiques, mais vraiment assez sucré, plus sur des choses peut-être papaye, goyave, ce genre de choses assez sucrées, assez rondes, avec de la chair. Toute petite attaque en début de bouche, qui nous fait légèrement penser à un côté sec agricole. Et on a un tout petit côté attaque vers la fin de bouche, un tout petit peu épicé, voire boisé comme ça. Et au milieu, on a vraiment cette... En fait, au milieu, ça s'installe vraiment dans les papilles là, et en fait ça tapisse un petit peu, c'est assez sucré, c'est assez rond, c'est chaleureux, c'est vraiment fruité comme ça, presque un tout petit peu comme je disais sur de la confiture. C'est très agréable, vraiment très agréable, mais ça reste une bouche qui est plutôt légère, qui est vraiment facile à boire. On n'a pas un mur qui va venir se mettre entre la bouche et nous. Vraiment, c'est une bouche qui est plutôt simple, assez efficace en fait, qui marche bien, qui est plutôt bien faite. Et on a une espèce de côté que je suis en train de sentir. C'est un tout petit aspect caramel, comme ça. C'est-à-dire qu'on a la langue un peu sèche, mais un peu chaude. Et c'était ça en fait ce que je trouvais sur le... Je disais que c'était pas gras, mais il y a un petit aspect fruité, confiture et fruits à coque, mais qui en fait m'amène sur le caramel en fait. Mais alors un caramel très léger, parce que moi je suis pas trop fan de caramel, et ça fait un tout petit peu caramel comme ça, il y a un tout petit côté, une petite pointe. Peut-être caramel
pas du caramel salé, mais du caramel pas trop sucré, assez fin comme ça. Ça passe très bien. Ouais, c'est vraiment une jolie bouche. Comme je dis, elle est efficace. Elle sort un petit peu de l'ordinaire. Elle se boit très bien. C'est agréable. Alors la finale, j'ai dit qu'elle était plutôt moyenne. Finalement, elle s'exprime quand même. Elle est quand même moyenne longue. Elle n'est pas extrêmement longue, hein. on va pas se mentir. Elle est moyenne longue. Et il y a vraiment cet aspect sur la finale. Un petit peu d'épices. Très légèrement boisé. En fait, c'est ce côté boisé fumé presque un peu présent. Et on a effectivement ce que j'ai senti avant, le caramel dans la finale. C'est une touche qui est assez agréable. Qui se marie très bien avec l'ensemble en fait. Puisque l'ensemble est sur les... Vraiment un petit peu fruits à coque comme ça, fruits à coque, caramel, fruits, assez fruits exotiques, un petit peu cuits. Ça se marie très bien. Une finale qui est honnête, qui est une finale très honnête. On en reviendra sur le prix, mais qui est très très honnête. Et qui reste moyenne longue dans les papilles. Elle est légèrement sur cet aspect caramel, effectivement. Avec la toute petite pointe d'épices. Une belle finale. Alors pour conclure, je trouve que c'est vraiment un chouette produit. Parce qu'en fait, on a cet aspect rhum agricole et en même temps, on a ce côté fruité qui, moi, manque des fois dans des rhums agricoles, qui est très agréable. Et cette presque un tout petit peu onctueux comme ça, chaleureux. On le trouve entre 35 et 39 euros. Alors franchement, pour 35 ou 39 euros, je pense que moi, ça va devenir une bouteille de référence dans ces gammes de prix. Parce que là, pour le coup, ça éclipse quasiment tous les autres rhums de mélasse que vous pouvez trouver à ce prix-là. Honnêtement, vraiment. Parce que c'est un profil qui est un petit peu atypique, mais qui en même temps est très facile à boire, et qui a quand même ce petit côté caractère. Il y a un petit côté caractère quand même présent, un petit peu. On n'est pas non plus sur quelque chose qui est insipide, qui va se boire, qui va être neutre. Pas du tout. Il a cette particularité. Un petit peu noisette, caramel, fruité... mais légèrement sec presque un peu en bouche. Je trouve que c'est vraiment un chouette produit. C'est une belle petite bouteille à offrir par exemple pour faire connaître le monde du rhum. Ça peut être super sympa, je trouve. Je viens de la découvrir en fait il y a peu de temps. Et je pense que ça va vraiment devenir un de mes classiques entre 35 et 40 euros. Ça va vraiment devenir une référence, c'est sûr. Parce qu'il met vraiment un coup de pied à toutes les autres bouteilles qu'on peut trouver dans cette gamme de prix-là, et même à des rhums agricoles d'ailleurs, parce qu'il est vraiment très sympa. Pour 40 balles, 39 balles, on a des balis. Moi, j'aime bien les balis, mais là, pour le coup, on a quelque chose qui, pour moi, est plus sympa à boire presque qu'un bali, quoi. En termes de notes, tu vois, j'y retourne tellement je l'aime bien. Et naturellement, en plus. En termes de notes, c'est un 7 sur 10 sûr, assuré, clair et net. Je me demandais même si on lui mettrait pas un 8 sur 10 pour le prix auquel on le trouve. Parce que là, pour le coup, on a vraiment un rapport qualité-prix qui est... j'en parle souvent du rapport qualité-prix. En même temps, c'est rare que j'ai des bouteilles que j'aime pas sur le bar. Mais là, pour le coup, c'est vraiment... Je pense que c'est une référence en termes de rapport qualité-prix. Vraiment. Un très très joli produit. Un chouette produit, une chouette bouteille. Qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, mais qui a vraiment une particularité, et puis qui nous fait découvrir quelque chose de l'île Maurice, qui sont des choses assez fruitées quand même, assez chargées comme ça en fruits, et que moi j'aime beaucoup, et que là qui fonctionne très très bien, qui fonctionne vraiment bien. Donc 7 sur 10 assuré, j'aurais presque voulu mettre un 8 sur 10 pour le prix, mais voilà, on va rester sur un très très bon 7 sur 10, on aurait mis des virgules, on aurait mis un 7,9 sur 10, pour pas dire un 8, mais voilà, on est sur vraiment un très beau 7 sur 10. Une très belle bouteille. C'est un bon produit. Il est simple, il est efficace. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait le dire. Simple, efficace. Et qui sort un tout petit peu de l'ordinaire avec un petit poil de caractère. Et c'est ce qu'on recherche. Voilà, des produits un tout petit peu atypiques, mais qui se permettent de boire. Là, pour le coup, je sais que je peux le boire avec quasiment tout le monde qui va venir à la maison. Même des gens qui n'apprécient pas spécialement les gros rhums trop forts, trop,
que ce soit des agricoles ou que ce soit des demerara, que ce soit des caroniers, des véliers ou peu importe, là ça doit être quelque chose que quasiment tout le monde peut boire, je pense. Et qui a un très beau profil. Allez, je termine là-dessus. Merci à toi d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, à partager, à liker, venir sur la page Facebook, nous rendre visite. Envoyer des questions aussi, des PM, n'hésitez pas. Je réponds à toutes les questions en moins de 24 heures, même plus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur la page Facebook ou alors via le mail, hein, pas de souci, je réponds à toutes vos questions. Moi, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le Rhum.